Bon, tu sais, t'es pas obligé de nous faire Buckingham Palace l'entrée, hein. Ben ça va là, Ah non? oui, bah, oui, ça va, oui. Bon, bah, ça c'est bien. Ça c'est Par fait. contre, ils auraient pu faire un truc, quand tu survoles le coffre, ça te dit ce qu'il y a dedans. Ça aurait été vraiment bien, Mais quoi. faut mettre des pancartes avec écrire dessus. Ouais, mais c'est galère, Maintenant quoi. que t'as débloqué le charbon, tu peux écrire sur les pancartes que tu disais que tu pouvais pas écrire. Mais si, mais là, non, mais va voir. Tu peux écrire, mais ça écrit pas dessus. Si Non, ça tu écrit veux, pas tu peux... dessus. Voilà, ça écrit pas dessus. C'est pas comme Minecraft. Attendez, donnez-moi une pancarte. C'est où la pancarte? Est-ce qu'on peut diviser l'état? Oui, Oui, shift gauche. tu shift, shift gauche et tu cliques dessus. C'est bon, je viens de voir. Attends, il faut quoi pour faire. Il faut un marteau? Pas une pancarte? Aucune idée. Oui, un marteau, oui, je pense, oui. Je crois des marteaux, il y en a là-bas. Regardez. Entre Du bois là. Oui. Du bois. Je crois de toute manière, c'était des marteaux, non? Oui, un marteau là. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire en fait. Oh les mecs. Ah merde, comment on récupère la résine? Attends, il est où le charbon? Il doit être ouais, dans l'autre maison, je crois. D'ailleurs, faut que j'aille dans l'autre maison, parce que... Par contre, j'ai plus rien à manger, moi. Y a plein de trucs à bouffer dans les coffres, dans le stockage. Premier coffre, dès que tu rentres, premier coffre à droite. Des pissenlits, on pourrait limite en bouffer, quoi. Tellement. Comment on déconstruit quelque chose? Clic molette. Une fois que t'as le marteau dans les mains. Merci. Bon, ce poteau là, Ludo, là, c'est normal, ouais. Ah, tu vois Non, qu'on non, non, pouvait faire attends, sur les pancartes, vous êtes des troubadours, hein. Vraiment. J'ai pas fini. Regarde, De tu vois quoi? pas, il y a pas marqué Lost Nation sur la pancarte là? Où ça? Putain, Ludo, t'y as pas réussi, toi. Vous êtes des troubadours, hein. Vraiment. Vous savez pourquoi? Moi je sais pourquoi, ça m'est arrivé, hein. Le live l'a vu. Hein. En gros, la pancarte, tu sais, quand tu l'as au début, elle est perpendiculaire, tu dois la tourner. Et bah, t'as mis l'écriture côté mur et c'est pas ce que t'as fait. Ça vient de m'arriver. Moi aussi, j'ai écrit Lost Nation, il a remarqué, j'ai dit bah, elle est à l'envers, et puis c'est tout. Du coup, je l'ai remis dans l'autre sens. Et puis voilà. J'ai l'impression que tu te moques de moi là. Oh, un petit peu. Non mais ça va, il fallait le savoir, c'est tout. Donc Non, tu vois, mais tu je ne peux parle plus. écrire partout, sur tous les coffres, tu peux mettre des pancartes. Je ne parle plus. Oh, ça va, je rigole. Non, mais je suis pas du genre à faire la tête moi, mais bon, hein, quand même. Mais doucement Non quand mais bon, même. ça m'énerve un peu quoi. Au bout d'un moment. Eh merde, hein. Oh là là. Depuis tout petit déjà, j'ai toujours été coupable. Toujours. Bon, petit niglo. Enfin, quand t'équipes n'importe quoi, ça t'enlève le bouclier. T'es obligé de retourner et le remettre. Qu'est-ce que tu fais avec ton gourdin du Rift? Bah, c'est son arme. Un coup de gourdin! Non, il parlait pas de ce gourdin là. Ah, manger, manger, manger. Les petits bonshommes le sifflaient à l'air, c'est pas le genre de la maison. Tu sais d'où ça vient, toi, Benji? Un disco ball, il faut y voir plutôt un Allez, on élan. va aller se taper une petite là. Un élan. Un Faire la élan. petite Ah crypte, oui, tes j'étais pas potes. du tout. Tes potes, c'est quoi une crypte en fait? C'est juste une entrée extérieure qui donne dans un souterrain, c'est ça? Ouais, bah elle est là devant. Alors vous voyez là déjà, il y a deux gros trucs là.
Ah, ouais. Attention, il jette des cailloux. Je vais faire des framboises, moi. Je récupère les framboises. Ouais, il y a un mec bleu. Mais il est plus grand. Et puis il a des étoiles. Ah, il a des étoiles, le bleu. Il a deux étoiles, hein, donc il doit avoir un joli loot, normalement, je pense. Ah ouais, tu penses que... Non. Vous pouvez bloquer et... Les gars, arrêtez de vous taper dessus. On prend pas de dégâts, on prend de taper dessus. Vas-y, moi je l'ai le pigeon. Il est presque mort. Les donjons mystérieux sont dissimulés aux quatre coins du 10e monde. Ce sont des monuments du passé, souvent remplis de richesses issues de civilisations disparues depuis longtemps. N'oubliez pas d'emporter de quoi vous éclairer. Ok. Ah, par contre, faites gaffe, si vous jetez vos lances, quelqu'un d'autre peut les récupérer. Moi, j'ai rien récupéré du charbon de ouf, je crois. J'ai récupéré des œils. Des œils Nindris, là, Nindris. Entrez. Allez, let's go, on rentre. Ouais, on fait. Chambre funéraire. J'espère juste que quelqu'un sait s'orienter facilement parce que. Non, mais surtout, vous avez pris de quoi vous éclairer là. Vas-y, on commence à droite. Rentrez. On commence à droite. Ouais. Ramassez les champignons, c'est les champignons énergisants. Bon, ça. Bah, laisse-moi les ramasser. Ouvrir la porte. Il y en a plein partout. Mais, bah, ouais, je veux les ramasser. Putain, arrêtez. Putain, bon, aïe, aïe, reculez, reculez. Reculez. Je vais mourir. Ah, ouais. Vous êtes tous là, Poussez-vous. Ah ouais, genre, il a l'air badass. Faites gaffe, il fait mal, le verre. Il met une dot en plus. Le verre, il met une dot, faites gaffe. Parez bien ses coups. Pourquoi il m'attaque que moi, les gars? Bah parce que j'ai mourir. Oh, le verre, il est presque mort, le gros, il est presque mort. Il lui manque un coup, GG. Le monde est encore en vie? Ouais. Ouais. Allez, on retourne à droite. Alors évitez de me coller de trop. Mais attendez, là il y a amis. Un truc chelou là. Ouais, faut le tuer, c'est un spawner. Ah, c'est un spawner ça? Ouais. Oh, cœur de Sterling! Oh, j'ai débloqué la forge là. Il y en a plein partout. Je vous laisse les prendre. Je vous laisse, chacun en prend un. Chacun en prend un, cœur de Sterling. Bah non, moi j'ai eu de l'ambre, j'ai pas eu de le cœur. Là, il y en a là. C'est ce qu'il y a sur les petits piquets là, rouge. Ouais. Ah, ok. Vas-y, et ce, le dernier, yes. Il prend là. GG, là il y en a un autre là. Oh les gars, on a débloqué l'antre de l'aîné, regardez sur votre map. Et c'est le. L'aîné. Ouais, je sais pas ce que c'est. Oh mais il est si loin. Non, ouais, j'avoue. Wow. Méga loin. Putain. Là, bon, je prends le dernier. Hein. On va pas les laisser. Ah bah j'en ai déjà un. Ok, allez, on continue. Bon, on va la faire en entier la crypte. Hein. Ah, bah oui, bah de son vœu et. Donc, on a été à droite. Vous savez quoi? On va aller à gauche. Voilà, j'ai envie. Moi, il m'a dit que je suis dans un abri. Tout droit, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un abri? Ok, on va à gauche. Est-ce qu'on peut poser notre lit? On va à gauche et porte tout au fond. Ouais, je crois que cette porte-là, on l'avait ouverte. Ouais, faites attention. Oui, moi. Ah, bah il m'a mis cher là. C'est Oli. Bah, bah faut m'aider là. Il m'a mis cher hein. Attention derrière toi. Non, c'est derrière moi. Non, c'était derrière lui drift. Bon, là on peut pas y aller là. Vous aussi, y'en a encore là. Hop hop hop, ils ont des arcs, ils ont des arcs. Bah on y va à 4, on y va à 4. Arrêtez de reculer, on y va à 4. Mais non, c'est que j'ai plus de vie moi. Ouais, mais c'est pour ça, mais avance. Mais c'est que si. Voilà, si vous me laissez pas passer à côté de vous, si vous me mettez l'un à côté de l'autre, je peux pas reculer. Faut tuer les spawners en fait. Ça, j'ai encore un peu de vie. Vous rushez le spawner. Rush le spawner, les rifles, rush le spawner. J'ai plus de quoi frapper moi. Ah, y'en a un derrière nous. Allez, encore plein de cœurs de Sterling. On aurait dû prendre plusieurs lances par contre, la mienne toi vient de se corser. Oh mais on est trop con tout à l'heure là-bas, c'était un coffre, on a pas ouvert le coffre tout à l'heure. On a lu le panneau mais on a pas ouvert le coffre, on a pas ramassé ce qu'il y avait dans le coffre. Ah, y'en a un qui va et puis voilà.
Bon, on y retournera ouais. à la fin quand on repartira. Par contre, on fait une petite pause là, le temps de remonter de la vie un peu à Katat là. À bah, Croupi, attendez, non gars, on a loupé une porte. Hein. Non, non, mais là, c'est normal, elle était à gauche la porte là, Eric. Ouais, c'est à gauche là. C'est là d'où on vient, ça. Ouais, et après, il y a une autre porte à gauche. Là, fais demi-tour. Pourquoi demi-tour? Bah, parce qu'on peut pas y aller. Ok. Là, il y a une porte là. Là, on est à pas été. Ouais. Oula, mes potes. Ils ont l'air gentils ou ils ont l'air méchants? Mais on les... Attendez, fallait... Ah non, Ludriff, t'aurais dû y aller accroupi. Accroupis-toi. Ah, ils nous avaient pas... Oh bah, c'est trop tard. Hein. Ouais, mais c'est un squelette tout court. Hein. Oh, mais les gars, il y a un fantôme. Tu es le fantôme. Il fait trop mal. Au milieu de nous. Je vois, on est en train de le tuer. Oh, il faisait trop mal, le fantôme. Okay, bah, je comprends pas, parce que moi, j'ai beau me faire toucher, je suis toujours... Ah bah, je suis accroupi et du coup, je suis à 99 de vie. Ok. Les gars, j'ai 7 cœurs de sterling. Allez, on continue. On a plus de torches quoi, on avance ouais, dans le... Ouais, bah moi j'ai plus de torches donc... c'est pas moi qui vais torcher. Hein. Ah bah attends, bah, moi il m'en reste. Ok, il oui. Reste tout droit. On va tout droit. À droite. À gauche. Y'a rien. Demi-tour. Tout droit. Ok. On est obligé d'aller là. Ouais, y'a rien. Y'a rien, ça va que tu y ailles. Ouais, y'a rien. Là, on peut pas y aller. Hop. On est revenu au début là, on a tout fait, il reste plus que le coffre au bois à rouvrir. Ah y'allait pas, y'allait ouais. Pas, je viens d'y aller vite fait en cours. Je viens d'y aller en cours, c'est bon. Il y avait 3 plumes et 29 de je sais pas. Allez on se casse. On a eu plein de cœurs de sterling, normalement tout le monde a appris à faire la forge et tout, normalement. Et si on rentre là, tu crois qu'il y a la respawn tout ou... Je sais pas non. Du tout mec. Ça c'est quoi ça? C'est le petit village qu'on avait vu avec Niglo hier. Ça donne que du bois. Je pensais que ça aurait donné des plantations. Donc, Bon, bah, on va se rentrer. Hein. Moi, j'ai eu pas mal de trucs. Hein. Je pense qu'il va falloir que je vous donne des trucs. Notamment le trophée de squelette, le rubis. Je pense que c'est des trucs. Donc là, du coup, normalement, on peut faire une forge, du coup. Ouais, il faut qu'on aille à la base. Allez, let's go. Rentre. Niglo, t'auras peut-être ton drakkar, du coup. C'était une forge qu'il lui fallait pour faire le drakkar, c'est ça? Ouais, parce qu'il faut faire du bronze pour faire des clous, je sais pas quoi, il disait. Là du coup arrêtez-vous tous ensemble là. attends du drift, bah je vais vous mettre ah oui, pour le ouais comme ça on va pouvoir avoir de l'endurance, mais j'attends du drift. Call toi à nous. Yeah allez, c'est parti encore. Ah oui c'est beaucoup mieux là. Ouais, moi il me faut assembler moi. Attends, il faut que Eric s'arrête pour le tuer. Bah oui, tue. Non mais cours, on continue de courir et tue. On tuera plus loin. C'est l'orgie quand même. Les mecs, quoi. C'est bon, il va. Non, fais gaffe, ouais. Ne éloignez pas trop parce que là pour traverser, bon courage après. Ah, je peux plus frapper. Oh. Reviens vers moi. Il va revenir, de toute façon. Oula les gars. Allez on continue. Allez mais saute là. Saute. Ouais. Niglo il progresse, il arrive à pas se noyer en traversant une rivière. Ouais. Moi j'ai vachement pris pour le nager moi. Par contre, toi, Benji, avec ton bouclier sur le dos, on a l'impression que c'est un rocher qui est en train d'avancer. Ah, ah bah ouais, mais moi je vais mourir, par contre, j'avais pas fait gaffe qu'il fallait que...
Ah, t'as pas laissé ta vie remonter, enfin ta stam remonter. C'est dommage. Ouais. Eh ouais, c'est pas comme si je l'avais pas dit. C'est dommage. C'est pas grave. Oh, y'a une biche. Construction. On peut faire une fonderie et un four à charbon. Il faut juste de la pierre. Bah, je suis en train de ramasser de la pierre. Et il faudra les cœurs de sterling. Donnez-moi les cœurs de sterling. Parce que j'ai, j'ai quasiment tous les cœurs de sterling. Ok, j'en ai eu un. Là, de la part de. Et j'en ai un, moi, sur moi. Ok. Et puis, je vous fais ça. Il te faut combien de pierres? Il m'en faut 40. J'en ai 29. Très bien. Mais je te les donnerai. T'avais des cœurs de sterling Carrément. Ouais, j'en ai un. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai que deux. Ouais, ouais, bah, vas-y, dropper. Okay. Tiens. Ouais, j'avais dit 40. Hein. Tiens. Ouais, non, mais c'est que j'en ai 26 sur moi, alors j'ai tout pris, puis. Prends ça. Piastre. J'ai récupéré du piastre. Du piastre, oui, du piastre. Hop. Ah bah voilà avec quoi faut tuer. C'est avec le gourdin en fait. Cœur de sterling. T'es où Ludriff? Je suis en train de te ramasser de me ramasser les pierres. Et peut-être éventuellement mais on a... toi. Enfin, moi j'ai les pierres, j'ai tout hein, déjà. Il me faut juste okay. Les cœurs de sterling. Je ah arrive. Quoi que, attends. Je les mets où les potes? De quoi? La... C'est le point que ça fait. La c'est forge gros. C'est gros. Ouais. Bah non mais attends, parce que la forge, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est le four à charbon, c'est ça que tu veux faire? Non, non, ou c'est la forge, là. Il y a une fonderie, là. Enfin, un truc qui fond le métal. Bah là, sur la terrasse, là, tu la mets... Ça passe pas. Ah, c'est plus grand, bah faut que j'arrondisse la terrasse. Bah en fait, je touche le plafond, là, en voulant la mettre. Okay. Ouais, mais tu peux quand même la mettre, non? Non, 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 ça me met rouge, quoi. Ça me met placement invalide, parce qu'en fait, ça touche le plafond. Je peux la mettre par terre, quoi, si tu veux, là, à côté. Ouais, on va agrandir la terrasse. Par terre pour l'instant. Pour voir... Pour voir ce que ça fait, la taille que ça fait. Ouais. Et il y a le four à charbon aussi, le four à charbon, faut quoi ça pour le faire? Ouais, il est un peu gros, hein. Et... Tu peux en faire un four à charbon en plus? Ah yes, nickel. Nickel, alors du coup... Alors ça, ça s'alimente... Alors le corbeau, il me dit quoi? Il vous faudra du charbon pour alimenter la fonderie que vous pourrez produire en fonction du four à charbon en le remplissant de bois. Ok. Oh, je suis pas attaqué, il y a un truc. J'ai ma cape. Regarde-moi ça, ma petite cape. Tu t'es fait une cape? J'ai ma peau de bête. Du coup, t'as tout ce qu'il te faut, Eric, ou pas? Ça y est, elles sont construites. C'est dehors. Ah, mon petit niglo, j'ai ma peau de bête sur mon dos. Ah, on a pas les mêmes belles heures. Hein. J'ai du fragment d'os, j'en fais quoi de ça? Bah, tu le mets dans le coffre de droite, là, j'en ai mis, moi. C'est pour... Ça sert à faire la cape, je crois, justement. L'aniglo il est deg là donc il est en train de chercher comment faire la cape. Exactement. Ouais. Je le vois fouiller dans les coffres putain. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Je peux toujours pas crafter moi ça, c'est normal. Ouais parce que les crafter gars ils ont pas. Ah donné, bah oui putain non, non je sais. Si je lui ai dit il y a des pots de biches dans un coffre, il faut juste qu'il les prenne sur lui. Ah merde mais dans ouais mais de l'autre côté. Putain, ouais là-bas coffres. Ouais elles sont dans ouais. Les coffres. Pourquoi le feu il a été mis poil devant l'entrée là? C'est pas moi qui l'ai mis tu vois. Là là ici là. En haut, Ludrift, au-dessus. Le premier coffre à droite en haut. C'est des peaux de bêtes que moi j'ai été chassé. Bon, c'est un peu le bordel là. Ah bah voilà. Ouais, c'est bon, tu peux maintenant. Puis y en a besoin ou pas des peaux de bêtes du coup là, pour aller construire quelque chose? Bah ouais, ah bah pour faire construire les. Pour faire tes les vêtements. Genre, moi, tu sais, c'est tout ce que j'ai été chercher là, les peaux de bêtes que t'as là. C'est tout ce que moi j'ai été farm que je voulais utiliser, mais. Comme on n'a pas tous débloqué les trucs. Bah tout le monde les a pris ou pas ah mais moi je suis pas équipé hein. Enfin oui tout le monde les a pris mais moi je suis pas équipé hein. Je les ai pas utilisés quoi. Ah oui ok ouais.
Moi j'ai rien, je suis en tenue comme toi mec, j'ai juste un pantalon je crois. Enfin en plus de toi. J'ai rien. Eux ils ont leur cap, les tenues, les trucs. On est à Wall. Forcément, ils nous piquent toutes nos affaires. Ah oui oui, clairement. Non non, c'est que hier il y en a un qui a mis 3 heures à construire un abri et le deuxième qui a mis 3 heures à faire le tour de l'île. Oui non mais ce que je vois c'est que nous en attendant avec Hilo tu comprends, on a mis nos compétences en avant et tout, on s'est voilà, on a fait chasseur, on a tout fait. Mais je vois que pour c'est remercier, cool, c'est vrai que globalement, vous nous construisez des trucs, quoi. Ouais, non, mais tu sais, là, franchement, il y a de l'entraide. Non, le plus long qu'on a mis à faire, c'est le support de tannage, que au final, en plus, le truc, je sais même pas quoi ça sert, parce que ça met l'établi niveau 2, mais ça a pas débloqué de nouveaux crafts dedans. Bah, peut-être pas pour le moment, parce qu'on a pas les trucs croqués, tu vois. C'est pour ça que je suis, et ça là, t'as 50 pots de cuivre dessus et 10 de biche, je crois. Par contre, t'as pour le faire. Ta fameuse lance là, tu l'as construit comment? Bah, dans le truc là, c'est une. Ça s'appelle une. C'est où? Et j'ai bâton, échampière, marteau, torche, tout ce que j'ai. Lance en silex. T'as pris du silex sur toi? Ah ouais, j'ai la hache en silex. Ah ouais, bah... en silex. Putain, elle est tout en bas, ok. Bah la lance, ouais, t'as la lance aussi du coup. Parce que si t'as la hache, tu la prends en même temps. Il y a du silex quelque part? Oui, dans les coffres là-bas. Ouais, j'en ai récupéré tout à l'heure aussi. Dans les coffres là-bas, il doit y avoir un stack plus la moitié d'un autre. Bah il en faut 10, hein. Non, je sais pas, moi j'ai vidé tout ce que j'ai sur moi parce que j'en avais à gaver sur moi. Alors. Viens là Niglo, j'étais en train d'améliorer ma compétence. Je suis passé niveau 10 grâce à toi. Compétence de quoi? Bah de le taper au point. Bon donc on a découvert ça. Par contre, ah oui donc du coup est-ce qu'on a le drakkar ou pas? Bon, le drakkar parce que c'est pas la priorité hein. Bah si parce que du coup je pense que l'aîné là faut y aller en bateau quoi. Puisque ici c'est de l'eau, et ici c'est de l'eau aussi, donc je pense que là en gros ça fait ça quoi. Donc mon avis c'est sur une autre île. Les paysades on peut les construire sans. Ah non, il faut quand même la table de fabrication. Putain la vache, ah oui, donc ça veut dire qu'il va falloir en construire un paquet d'établis hein, qui vont servir à rien. Oh, mais qui c'est qui balance ses cailloux à la mer là? Pas la mer qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend la mer. Les cailloux, c'est où déjà? Je crois que c'est celui-là tout au fond. Ah non, maintenant c'est du bois, celui-là tout au fond, ça a changé. On va dire que c'est celui-là les cailloux, allez hop. Sana, il nous a montré les panneaux mais il pense qu'il aurait fait la salle des coffres avec les panneaux. Genre, il aurait pu voilà tout mettre dessus. Ouais non mais pu... non mais voilà. Tu le vois mec, par exemple, là, ça aurait pu par exemple nous aider tu vois. Oui voilà, c'est... il a vendu son mérite de savoir les faire les panneaux mais il les a pas fait longtemps. Bah c'est fini le bureau des pleurs hein. J'ai rien vu. Moi je suis en train de faire du charbon messieurs, pendant que vous êtes en train de faire je sais pas quoi là. Là je t'avoue, on court en rond. Ah bah ça j'ai bien vu hein, je vous rassure. Hein. Mais et je t'avoue le charbon ça sert à quoi en fait? Eh bah faut, pour ta forge elle ne marche qu'avec du charbon. Donc dans le four à charbon faut mettre du bois pour que ça fasse du charbon. D'accord ok. Donc là je suis en train de faire du bois en masse, parce qu'en fait faut faire fondre du bois, enfin tu sais cramer du bois quoi que ça devienne du charbon et voilà. Moi je peux pas faire ma cape, mon style et tout, tout en faisant des trucs utiles. Hein. Écoute, on peut pas tout faire, d'accord? Est-ce qu'on peut se peindre le personnage? Oui, oui, c'est une priorité, ça, je pense, ouais. C'est important, ça.
fait là, Ludo, là? T'entends essayer de défoncer ça à Drifi, c'est ça? Mais non, y'a personne qui désherbe autour. Hein. C'est pas possible, ça. J'ai tout ah, ça désherbe de faire ça? Ouais. Et du coup, donc si j'ai bien compris, il faut qu'on ait du bois sur nous. Et qu'on fasse comment? Pour remplir le four à charbon? Ouais. Mais je l'ai déjà rempli. D'accord, ok. Faut que tu vises le petit trou. En bas, mais moi j'en ai déjà mis plein. Donc de... là, normalement, il doit être en train de cracher du charbon là déjà. Au bah sol. Oui, mais voilà. Pour remplir en bois. Ouais, bah j'ai mis un petit coffre à côté. Ouais, j'ai vu. Pour mettre bah, justement tout le bois pour récupérer le charbon. Ah, c'est en train d'optimiser déjà, messieurs. Du coup, ouais. Là, Ludo, tu vois, enfin, tu construis une grande terrasse avec des poutres apparentes et tout pour faire comme un atelier, pour pouvoir mettre ça dessus. Ah, pour juste le poser dessus. Ouais, bah les deux, quoi. Il y a un voilà, truc qui arrive. Et là, normalement, tu remplis. Alors, bon, je fais pas de charbon, mais normalement, tu remplis effectivement. Viens là, toi. Ah oui, tu veux que je remplisse le truc à côté? Attends. Bah, je sais pas comment ça marche, mais je crois que tu mets d'un côté là. Attends, tu peux voir? Je crois que tu mets là le charbon, non? Fonderie, ajouter l'objet. Vous n'avez rien à transformer, non? Okay. Donc là c'est le. Donc okay. C'est de l'autre côté, c'est là le charbon. Ah c'est ça. T'en as que 3? Bah écoute, tu peux en mettre que 3 je crois. Parce que non, il m'en reste encore 3 sur 20. 3 sur 20 ah. C'est marqué. Ouais non, je sais pas pourquoi, ça voulait plus d'où j'étais. Attends, j'essaye. Ok, je viens d'avoir un charbon. 9, 10, ok. Donc là voilà. Bah, et après, t'as pas les trucs là-bas à fondre? Ah, y'a l'étain, tu peux faire fondre l'étain, ouais mec. Mets les 25 d'étain de l'autre côté. Vas-y. Attends. Ok. 3 charbon. Ah merde. Pète porte. Alors okay. Du coup là on met l'étain de ce côté là. Ouais c'est ça. Et voilà. J'ai de la perle d'ombre. Bon du coup c'est pas pratique le fait que tu vois il y ait l'escalier et tout ici là. C'est pas non mais c'est pour ça, non mais ça je suis, ça lui drift là, il va nous faire une terrasse. Il va nous faire un atelier. Non mais tout à fait. Il va appeler Stéphane Plaza, tu vois, tout va se mettre en place. Vous inquiétez pas, je me s'occupe de tout, vous s'occupez de rien. Non, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Nouveau matériau, éteint. Ah ouais, bah attends, donne-le-moi justement le lingot. Ceci est une pierre. J'arrive, je suis là. Là, là. Ok d'accord, je m'attendais à ce que ça fasse un truc de ouf, pas du tout. Je m'attendais à prendre plein de trucs, mais en fait non. J'ai mis dans le coffre à côté, elle est déçue. En fait non, pas du tout, donc je pense qu'il va falloir... Ah je peux faire mon tapis de serre si je veux, tu vois. Ouais, bah, bien sûr, oui. Ah ça prend combien de pots? Non, mais ça en prend pas que ça, 4. Y'en a pas, y'en a aucun de nous deux qui ont un stuff. Ça en prend que 4. Ah si vous voulez aller chasser là, le temps que... voilà quoi, pour les copains quoi. Bah j'ai souci hein. Je t'avoue celui qui chasse le mieux c'est Ludo parce que c'est Niglo parce qu'il a son arc lui. Moi j'ai même pas d'arc hein. Niglo va chasser là. Moi j'ai pas d'arc donc. Ah j'ai réussi à en mettre 11 objets dans la fonderie alors que normalement c'est que 10. Bah, tu l'as bourré, je suis un thug, je suis trop un thug. Ah, en fait, on a rien appris avec les uns. Non, on a rien appris. Du coup, ça sert à. Bah, pour le moment, ça ne sert à rien. On est d'accord. Ah oui. Bah, il est où mon petit Niglo? On est en train de chasser, je crois bien. Ah ouais, ça bouffe tellement de charbon pour faire un truc d'étain. Ah bah ouais, vous n'avez pas de charbon, on n'aura jamais assez de charbon en fait. Oh la vache.
Si la table de fabrication, faut la faire monter niveau 3 pour pouvoir upgrader les haches et tout à niveau 4. Point info, Benji. De quoi ? La table de fabrication, de l'upgrader, en fait, ça sert à pouvoir upgrader les outils plus haut. Ouais, je sais, mais ça te sert aussi à faire des outils. Oui, mais ça sert aussi à les upgrader pour qu'on puisse... Ça, bah en fait, le niveau 3, ça sert juste en fait à l'upgrade, je crois bien. Ou alors, c'est quand on aura les trucs en éteint qu'on pourra peut-être qu'avec la niveau 3, je sais pas. Peut-être qu'on l'a trop vite upgradé par rapport à ce qu'on a avancé le reste. Peut-être ça aussi. Construction, du coup je peux plus rien construire hein, parce que j'ai plus de bois par exemple hein, on va dire ça. Bon YouTube, c'est la fin de cet épisode. Voilà, on a été faire la petite crypte, on a débloqué, on a récupéré donc des cœurs de sterling, on a fait donc la fonderie et le four à charbon, on est en train de comprendre comment ça marche, donc voilà, c'est pas mal. On avance petit à petit, ça prend un peu du temps, il y a peut-être des trucs, vous me direz dans les commentaires, oui, faut pas faire comme ça, vaut mieux faire comme ça. N'hésitez pas à marquer hein, dans les commentaires s'il y a de l'optimisation à faire, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, on se retrouve au prochain épisode, un petit pouce bleu. Putain, je suis enrhumé, ça m'énerve, vous devez me voir tout le temps me toucher le nez, mais je suis enrhumé. Donc le petit pouce bleu, et puis voilà, t'hésites pas à t'abonner hein, bien sûr, la cloche de notification. Et puis, à bientôt dans l'épisode suivant. Salut YouTube !